Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de notre aventure sur Mario versus Donkey Kong. Et on s'attaque au monde 4, qui est un monde où on avait vu l'aperçu quand Donkey Kong arrivait. C'est un esprit un peu fête foraine. Donc j'ai hâte de découvrir. Je sais pas si ça fera aussi une vidéo, un monde, une vidéo. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va se corser un peu, quoi. C'est très logique que les mondes deviennent de plus en plus durs. Même si ça a pas l'air d'être un jeu ultra dur, ni ultra long d'ailleurs. Donc là, c'est quoi? C'est un nouveau truc de gameplay, c'est quoi? C'est des fleurs? Ah oui, d'accord, ok. Ok. Et donc, ça va switcher entre fleurs bleues et fleurs... enfin, tulipes, quoi. Ok. Souvent, les petits, comment... le premier stage des mondes, ça t'introduit le nouveau gameplay, quoi. Alors... Alors, non. Là, j'imagine qu'il faut se suicider, puis... ouais, ok, d'accord. Bon, pour l'instant... Ah oui, mince. Ok, donc comme ça. Non. Pas comme ça. Faut jeter la clé et après, faut activer le bleu. Est-ce que c'est tordu comme ça? Non. Ah oui, ok, d'accord, c'est comme ça. Je voyais plus dur, je pensais qu'il fallait... comment? S'envoler avec la tulipe rouge, et balancer la clé et activer le bleu. C'était plus simple que ce que je pensais. Ok. Donc là, ça introduit le gameplay de... des fleurs. Et une nouvelle musique. Enfin, une nouvelle musique. Une musique qui est comment? Qui est cohérente avec le thème. Ça fait bien esprit fête foraine. Alors. Là, on va chercher le cadeau. Et la poupée. Attends, il y avait quoi en haut? Il n'y avait rien. Ok. Franchement, c'est trop mignon. C'est tout bête, mais le petit décor au fond avec la grande roue, tout ça, ça apporte un petit truc. Enfin, c'est visuellement, c'est... C'est des petits détails comme ça qui sont sympas. Avec le décor de la fête foraine au fond. Ok, donc ça, c'est juste pour t'introduire qu'il va y avoir des... Oh, il y a le retour. Oh non. Attends, c'est pas vrai. Ils vont nous le foutre à chaque monde, le condor, là. Le pigeon, là, j'en peux plus, cet oiseau. Oh, purée. J'appréhende déjà. Ouais, la petite roue au fond, là. En plus, ils font cet effet. Un flou artistique, on va dire, quoi. Ça fait le focus au premier plan, puis au fond, t'as la grande roue, c'est joli. Donc, on va arrêter de regarder le décor, là. Mais c'est vraiment mignon. Alors. Non, je l'ai mis n'importe comment. Est-ce qu'on peut faire, genre, le poirier comme ça, là? Voilà, je pense que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire, mais yes. Alors. Je pense qu'on peut s'envoler avec le trampoline là. Sinon on peut pas aller plus haut que ça. Oui, mais c'est sûr que c'est ça. Et attends. Attends. Comment on tombe? Non. Non, je crois que je suis en train de faire n'importe quoi. Attends. Non. Elle est où? Elle est là. Ah oui, non, faut que je la mette là. Je la mette là, je fais le tour, j'active le bleu et je remonte. Mais c'est une blague le timing?
Bien sûr, eux, ils se mettent pile... là, ils se mettent pile à l'endroit où il faut pas. Voilà, j'étais sûre. Attends, mais attends. Est-ce que je peux vous tuer entre vous? Ah, mais voilà, je me prends la tête, mais... Il y avait plus simple. Je savais pas qu'on pouvait les tuer ensemble. Ah, mais la musique, arrêtez de nous stresser avec le timer, là. On a même pas le temps d'analyser le truc, quoi. Ah, mais là, c'est pareil, hein. Là, la clé, t'avais... Il me restait 2 secondes. Bah, si les prochains mondes, par contre, si c'est plus dur les prochains mondes, attends, je me mets en... Comment on appelle ça? En mode détendu, hein. Alors non. Déjà, c'est déjà pas ça qu'il faut faire. Attends, la caméra. Alors, il y a le crocodile. Et attends, il n'y a pas de possibilité de tuer les crocodiles, c'est une blague? Genre, ils ont décrété qu'ils étaient invincibles? Mais c'est pété! Alors... Déjà, est-ce qu'on on peut monter l'échelle avec le... Non, pas du tout. Trop d'espoir. Alors là, franchement... Je sais pas comment je me suis pas pris le... Je sais pas comment je me suis pas pris le... Le crocodile. Ouais, c'est stressant, le... Non, je pense que j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû le... Ah, j'aurais pas dû le désactiver. J'ai fait n'importe quoi. Non, non. J'étais sûre. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une possibilité de gameplay de revenir en arrière, d'annuler la fleur? Pas du tout. De toute façon, au niveau du timing, je crois que j'étais pas bien. Putain, je fais n'importe quoi, ça y est, je craque. Ah mais attends, mais ça se trouve on peut monter... Non, pas du tout. Je pensais qu'on pouvait passer sous la... Mais attends, mais c'est pas possible le timing. Par contre, en fait, quand on perd... Ouais, en fait, il t'incite à le faire un peu en one shot, les trucs, hein. Parce qu'en fait, là, j'avais gagné des secondes. Parce que j'avais enchaîné l'autre. Mais les secondes, bah, elles s'annulent, là. Non. Non, mais purée, mais j'ai... Mais en fait, dès que t'es à la fin de la corde, il la lâche automatiquement. Ah, mais en fait, ils sont... L'IA, elle est pas paramétrée. C'est pas un... Comment on appelle ça? Un déplacement programmé, en fait. S'il va sur le côté. Non, c'est bon. En haut. Descends pas tout de suite, mon gars, s'il te plaît. Voilà. Là, je l'active pas. Et là... Non. Là, voilà. Hop. Non! Purée, j'ai eu peur que ça active le bleu. Je pensais que le trampoline, il allait m'activer le bleu. C'est bon. Non, j'aurais pas dû faire ça. Attends, mais la poupée, on va la chercher comment? Ah, comme ça. Comme ça, hein. Ouais, ok. Donc non, on pouvait bien passer au-dessus des plateformes violettes, sauf que j'avais besoin du trampoline, ok. Ça va, les énigmes, ça va. C'est moins pénible que quand on a vu le condor, là. Qui faisait des allers-retours avec sa boule de feu, là. Quand il y a des ennemis, là, par exemple, les crocodiles, ils sont... Ils font que du haut-bas. Alors que quand le condor, là, qu'on avait eu dans la jungle et dans le volcan, il était comment... L'IA, elle était vraiment programmée pour te suivre. Non, je voulais pas faire ça. Ah mais c'est bon, on est obligé de faire ça, je pense. Ok. Des bombes. Des bombes pour casser le... Ok. Comment? Si ça me pète dans la... J'ai cru que ça allait me péter dans la main. Avec le bol que j'ai, ça m'aurait même pas étonné. Alors... Non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Non. Mais comment ça, lui, il pète tout seul alors que j'ai rien demandé? Non,
Non, mais non, mais attends, mais il est pété, lui. Pourquoi l'autre, je suis arrivé à le prendre et pas le deuxième. C'est quoi ce... C'est quoi? Comment ça... Ah, mais il s'active automatiquement, en fait. Non. Non. Mais par contre, le... Comment? Le timer, c'est un peu comme ils veulent, là. C'est what the fuck, le timer du... De la bombe, là. Je pense que... Attends. Non, purée, mais attends. Mais c'est... Faut être pile dessus, quoi. Putain, c'est... Si, non, je suis en train de perdre toutes mes vies. Yes. On a toujours pas fait de game over, hein, sur ce jeu. On a toujours pas vu le game over. Allez, en plus, elle met 1000 en respawn, s'il te plaît. Je pense que... Je sais pas pourquoi, je sens que la solution... Va falloir envoyer une bombe. Quand la fleur, elle s'active pour que la bombe, elle monte. J'ai déjà pété ça. Pété celui-là. Voilà. Ah mais non, faut pas que je fasse ça. Parce que ça va désactiver la... Ouais, ça va désactiver la rouge. J'ai fait n'importe quoi. On peut... Non, c'est bon. Ok, on peut. Non. Mais regarde celle-là, là. Elle pète toute seule alors que j'ai rien fait. C'est abusé. Non. Non, j'ai fait n'importe quoi. Attends, si je la lance comme ça, c'est... Non. Trop d'espoir. Mais attends. Ah oui, non, mais c'est vraiment comme ça. Ah mais ils ont bien aimé le gameplay un peu n'importe comment hein, dans ce jeu. Donc là, viens toi. Non mais elle pète d'un coup, c'est abusé. Ils sont pas paramétrés pareil. Les bombes. Elle est déjà en feu quand dès qu'elle sort du chaudron, elle se La mèche, elle s'active. Alors que lui, en bas, là, il a comment? Il est toujours éteint. Alors, attends. Non. Va-t'en. Va-t'en, toi. Parce que tu pourrais tomber en bas et te suicider. Mais t'as pas le temps. S'il te plaît, je suis à 30 secondes. C'est... What? Mais... Le timer, c'est chaud, hein. Alors... Déjà comment... Comment... Non. Non, déjà comment... Pas comme ça déjà. Comment on va chercher la bombe? Attends. Comment on va la chercher? Parce qu'il faut bien faire péter ça, sauf que le bleu... Non, on est obligé de le faire... Mais comment... Attends. Hein? Ah mais c'est... Attends, le bleu, il active le jaune? Ah non, ok, c'est ça que j'ai pas vu. Ok. Les énigmes, elles ont l'air plus simples dans ce monde. C'est bizarre, ça veut dire que... Ça voudrait dire que la progression, elle est pas logique. Enfin, elle est pas logique. Non. Putain, j'ai fait un move. Je suis sûre que c'est ça. Mais c'est... Non. J'ai fait un truc, je fais n'importe quoi, je me tuais, ça c'était sûr. J'ai paniqué. Oh, j'avais fait un move trop bien. J'ai fait n'importe quoi. Ah oui, donc voilà, en fait j'avais pas attendu qu'il soit sur la plateforme pour tomber. C'est ça que j'ai pas vu la première fois. Donc vas-y, explose-moi ça, toi. J'étais sûre. Et là, il va pas tomber. Faut que je lui remette la plateforme pour qu'il... Voilà. Il se prenne au piège. C'est plus des... Là, c'est plus un monde où c'est des énigmes. Mais il y a moins... Enfin, les ennemis sont pas agressifs, c'est juste... tu te sers des ennemis, quoi. Ok, c'était comme ça. Moi, je voulais faire un supérieur. Hein. Je voulais faire une méthode un peu bizarre. Et attends, comment ils veulent qu'on... Faut tomber en fait, je pense. Là, faut se laisser tomber. Volontairement, voilà. Exact. Non.
Non, 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 faut que je réactive. Je pensais qu'on pouvait... Comment ? Se faire un shortcut en faisant une espèce de saut périlleux sur les blocs, là, comme ça, là. Oh purée, j'étais sûre, j'ai hésité. Ah, il faut pas hésiter, faut pas revenir en arrière. Putain, j'ai compris le truc, sauf que je me presse... Oh non, mais vas-y. Putain, la bombe. Ça, c'est des tout petits trucs qui peuvent te faire perdre du temps. La bombe qui fait un demi-tour. Elle te fait perdre 2 secondes. Tiens, pète-la. Voilà. Ça, c'est bon. C'est bon, on a compris. Au bout de la 3e fois, c'est bon, on a compris. Donc, je vais déjà faire celui-là. J'adore l'ambiance. Un Donkey Kong avec un truc un peu fait de forêt. Ça me fait trop penser à Donkey Kong Country. Mince ! Purée, j'ai pas vu que j'avais pas tué la fleur bleue. J'étais concentrée sur ce que je voulais dire. J'ai oublié. J'ai oublié que j'avais désactivé la fleur bleue. Purée. À chaque fois, j'attends pas. J'attends qu'il soit sur la plateforme. Ouais. Country 2 sorti en je sais plus quelle année. C'est trop vieux. C'est combien Country 2 ? 95 ? Non ? 80. Oui, 95, je crois que c'est ça. Avec Dixie. Il y avait un... Comment ? Un monde très, très... comment ? Pas mémorable, je sais pas comment on dit. Donc là, pas deux fois la même... Trois fois je l'ai fait, hein. Trois fois je l'ai fait, cette bêtise de pas réactiver le bleu. Ah oui, mince. C'est maintenant qu'il... Je veux pas qu'il tombe, il tombe, bien sûr. Hein. Sinon c'est pas drôle. Je vais le laisser péter, il va péter là. Ouais, un monde de fête foraine avec un chariot minier là. Qui était dur d'ailleurs. Il était dur ce niveau. Il était joli visuellement, mais il était dur. Hein. Mais attends, c'est des trucs de bâtard ça. La première fois je suis montée et les blocs ils sont pas défaits. Et là ça tombe d'un coup, c'est une blague. Comment ça Non, mais arrête de faire les supérieurs. Alors, le jaune. Mince. Pas comme ça donc. J'attends qu'il soit dessus. Marche, marche, marche. Là. Il va me péter. Il va me péter dessus. Oh, j'étais sûre qu'il allait s'activer d'un coup. C'était. Franchement, c'était simple. C'est juste la fleur bleue là qui vit. Chaque fois je l'ai oublié celle-là. Ouais, pour ce monde là, fête foraine, pour l'instant, c'est. C'est plus des casse-têtes, mais c'est. Pas de la difficulté avec les ennemis, je trouve. Mince. j'ai pas activé. Ah, oula. Bloc rouge comme ça. Je dirais les blocs de 3D World, là. Quand tu... Ah, bah ça doit être ça. Je crois que je l'avais vu dans la bande-annonce. C'est des blocs de TP, ça. Ouais, mais c'est sûr, c'est ça. Tu rentres là-dedans, tu sors en haut. Voilà. Enfin, je dis toujours 3D World. Je sais pas si c'est dans cet épisode opus que... Ça a paru, mais... Une vie, oui, merci. D'ailleurs, on n'a pas eu le niveau pour les noobs, là, comme moi. On n'a pas encore eu le niveau débile. Attends, c'est aussi facile que ça, vraiment. Ouh, je l'ai pas vu arriver. Je l'ai pas vu, le truc. Je l'avais pas vu. Elle vient avec nous, la clé ? Je voyais pas visuellement qu'il y avait des pics, parce qu'en fait, là je joue, je record avec le PC, sauf qu'en fait, quand je joue, je regarde mon écran de télé, je regarde pas l'écran du PC, et il y a le dock de la Switch devant le coin, enfin le bas droit de ma télé, du coup je vois pas l'affichage, j'ai pas vu les pics. Et ça non plus j'ai pas vu. J'ai failli faire la bêtise de... De comment ? Tomber dans les pics, c'est tout moi ça. Ok, donc là. Là, faut faire un tour, ok. Pas activer le rouge. Pas tomber dans les pics, hein, c'est certain. Vous allez voir qu'on va tomber dans les pics. Faut pas que je regarde mon écran de TV, faut que je regarde l'écran du PC. Non, je vais pas avoir.
je vais pas voir le, l'écran en entier. Alors, sachant que ça, ça faut pas s'attarder dessus parce que ça se détruit. Non! Arrête de faire le... Non mais... Oh, mais je déteste quand il fait ça, ce perso là. Ce perso, je lâche aucun respect pour Mario. Arrête de faire des supérieurs, Mario! Mais purée, j'ai voulu faire... Non mais j'étais sûre. J'aurais dû attendre. J'ai le réflexe des Super Mario. Je voulais faire... Oh, et je voulais dire, qu'on allait tout faire le truc. J'étais sûre. C'était trop beau pour que je le fasse parfaitement. Attends, mais il faut pile calculer le truc. Mais il n'y a même pas de latence. Comment tu veux le savoir? Ouais, c'est ça la difficulté. C'est... calculer le timing du truc, quoi. Pour l'instant, c'est le monde que je préfère, je crois. Par contre, c'est dommage, c'est le même décor, en fait. Je viens de capter. Au fond. C'est toujours la grande roue, tout ça. Dommage. Je me concentre hein, sur un truc qui est vraiment qui est du pays 3. Hein. Donc le jaune. On attend. C'est pas la peine de se presser. Voilà, c'est ça la solution, c'est pas de courir. Là, En fait, attends, je suis en train de me demander un truc. Attends. Non. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. C'est switcher entre les deux pour pas tomber. Que le timing des briques en haut, il est pas bon. Pareil, là, j'ai fait la maligne. J'aurais dû attendre le timing du... Voilà, j'aurais dû faire ça, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Ah, mais non, par contre, les briques, elles vont se reformer. Non, j'étais sûre. J'y suis allée trop tôt. C'est ça qui fait perdre du temps. C'est faire des va-et-vient. Allez. Purée. Ah, il me restait, je crois qu'il me restait 50 secondes même pas. Mais c'était ça la solution, fallait faire des va-et-vient pour pas tomber. Et Miniland, ouais, je pense que c'était un jeu sur la DS. Ça. Ça me dit un truc, panique chez les Miniland ou je sais pas quoi, panique et Miniland, ça me dit un truc. Si, moi j'ai fait la marche des mini, je crois, c'était le premier sur la DS. Ah, c'était 2006 ou 2007, et après il y avait eu Panique, je crois que ça me dit un truc, Panique à Midland, ça me dit un truc, mais je l'ai pas fait, je crois. Alors. Analysons. Déjà, il n'y a pas de piège, c'est bizarre. Oh. Je vais dire, s'il n'y a pas de piège, c'est bizarre. Je viens de voir le nid. Je me disais, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de pic. Il n'y a pas de bombe, c'est bizarre, mais tu parles, il y a le retour. En plus, j'ai cliqué sur le petit aperçu du truc. T'as genre, en gros, hein, c'est le condor qui prend toute la pastille. Non, ça m'a même pas tilté. Alors. Ouh là là, ça commence déjà. C'est ça que ça commence. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'ailleurs. Déjà. Je sais pas si c'est la solution, mais... Si, ça doit être ça. Si, c'est ça. Il va falloir déplacer le truc là, comment on appelle ça là, le trampoline. Mince. Non mais c'est bien la caméra parce que au moins ça te permet de... D'arrêter... Non. Alors non. Hein. Si le pigeon là... Mince. Si le pigeon... Il est programmé genre en mode... Il est capable de se mouvoir différemment, je le défonce. Parce qu'en fait, là, il se met à une hauteur. Tout à l'heure, il n'était pas à la même hauteur. Je suis sûre que ça va être ça, en plus. Je suis sûre que c'est un truc daubé comme ça, là. Attends. Comment ils veulent qu'on... Mais là, il faut le trampoline. Ah, mais comme ça. Non. Pas comme ça. Ah non, il peut pas. Ah non, il peut pas. Non.
Comment on le... Ah bah comme ça, voilà. Comme ça. Et là. Voilà. Vous allez voir qu'on va finir le truc, je vais aller choper la clé et le... je vais me faire tuer par le pigeon. C'est pas un pigeon d'ailleurs, faut que j'arrête de dire ça, c'est un canari. Attends. On peut pas poser? Attends. Putain, il me reste 35 secondes, j'avais même pas vu. Je vais paniquer, je vais paniquer. Je... Voilà. Mais monte! Oh purée, je vais péter un câble. Si je me fais tuer par le pigeon. Non, c'est bon. Ah franchement, ouais. À part le niveau là avec la bombe où j'ai fait n'importe quoi, ça va, je suis pas morte souvent. Alors là, des canons, tout ce qu'on aime, bien sûr. Je pense que... Non. Déjà... Déjà c'est pareil, ça va être un truc de... Va falloir déplacer le trampoline. Ça vient d'inverser quoi là? Ça vient d'inverser aussi les... J'ai l'impression que ça a inversé les... Non. Faut que je désactive ça. Non. Non mais moi je veux tomber. Non. Bon attends, on va chercher déjà celui-là. Non, 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 pas la poupée. Pas la poupée. Faut que je... Ah mince. Faut que j'aille rechercher le... Faut que j'aille rechercher le truc. En fait le... Putain, je me suis bloqué. Faut que je le remette en bas lui. J'aurais pas dû l'activer... Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Sans se faire tuer par le canon. Et là faut que je refasse exactement ce que j'ai fait au début. Sans faire exprès, j'avais pris le... Je l'avais mis au bon endroit, sauf que j'étais pas allé chercher le cadeau avant. Ça c'est le... Ouh là là, purée, j'ai eu peur. Attends. Comment... Ah bah non, c'est bon. Je suis en train de me dire, il faut que j'amène le trampoline vers la poupée. Non, c'est bon. C'est marrant la façon dont il le porte. Il le porte vraiment comme un trophée. Et je me suis fait la réflexion lors vidéo voix, je me suis dit, est-ce que c'est le nouveau doubleur là qui fait les voix de Mario? Parce qu'il n'y a plus Charles Martinet. Dans Wonder, c'était déjà le nouveau doubleur. Et là, j'étais en train de me poser la question, est-ce que ça a été redoublé par le... Parce que c'est un remake, enfin c'est un portage de version Game Boy Event. Peut-être qu'ils ont retouché les voix. Et le doubleur, il a refait les voix, je pense, peut-être. Alors... Je comprends déjà rien. Attends, je rêve ou je me suis déjà bloqué? Oui, je me suis déjà bloqué. Yes, let's go. J'avais pas vu qu'il y avait des bombes. Mais faut un switch bleu là. Ah non, faut l'envoyer comme ça en mode YOLO. Non mais c'est pas possible. Attends. Ah ou alors là, attends. Si c'est ça, alors là c'est... C'est tiré par les cheveux. Est-ce que c'est ça? Je vais mourir. Je vais mourir mais... Ouais donc ok c'est ça. Faut emmener la bombe avec nous dans le téléporteur. Faut pas que je le fasse, mais il faut qu'on le fasse dès le début en fait, parce qu'elle pète tout... Ouais, elle pète tout de suite. Ok. Et là, et bah faut refaire la même chose pour péter l'autre. Non. Non. Je sais pas, j'aurais peut-être... Non. Oh là là, ça va me péter dans les mains. Voilà. Maintenant on a accès à l'autre switch. Là c'est quoi? C'est pour aller où ça? C'est pour la fin.
Ah mais faut péter, ok. Faut tout péter en fait. Faut les emmener avec nous partout et il faut tout péter. Pour avoir les shortcuts. Voilà, hop, et le dernier. Ah non, il faut en envoyer une en haut aussi. C'est sympa, c'est original en tout cas comme gameplay. C'est tout simple, mais... C'est encore un... Comment ? Un niveau où tu te sers des ennemis, finalement. Là, j'ai activé un truc, je sais pas si j'ai... Si c'était bien, là, ce que j'ai fait. Il est où, le cadeau ? Il y a un bleu en haut, mais attends, c'est pas le même bleu ? Ah non, mais le bleu, je l'avais pas activé. Ok, on retourne. Toi, tu viens. Non ! Purée ! Je vais tomber pile sur lui. Attends, j'ai cru que j'allais me tuer. J'ai cru que j'allais me tuer. Oh. Hop. On repart. Donc pas le rouge. Le jaune. Il était simple celui-là. J'étais en train de regarder, j'ai eu peur d'avoir oublié un cadeau, mais non. Alors... Donc là déjà... Je sais pas pourquoi je sens que le trampoline à gauche... Il est positionné d'une façon à ce que... Limite au début faut peut-être pas le toucher lui. Pour avoir le jaune. Mais non mais sinon on oblige... Ah non on est obligé. On est obligé et là... Il y a pas mal de trucs là. Je pense que c'est pareil, ça va être un parcours de... va falloir le faire voler le trampoline. Non. Non, on peut pas glitcher le truc. Je le mets là, mais il faut activer le rouge. Il faut pas se prendre une bombe. Oui, voilà, merci. Ah, j'ai l'impression que le canon, il est paramétré en fonction de nos déplacements. Je l'ai envoyé dans la pampa, là, le truc, là. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut activer le bleu. Non, il fallait pas activer le bleu. Yes. Faut que j'active le rouge. Oh purée. Voilà, pour avoir la plateforme. C'est logique en fait, là, ça me paraît même trop logique. Monte. Ah non, c'est pas, il peut pas. Ah non, c'est pas ça. Ah non, il veut pas. Donc c'est pas ça. Comme ça là. Attends. Comme ça. Ouais. Comme ça, mais c'est juste pour passer là. Attends, non, attends. Ah oui, ok. Comme ça, et on va chercher le bleu avec le. Non. Ah, c'est le canon qui va me gêner. Putain, non. J'ai tenté un truc un peu chelou, mais c'est pas ça. Mais attends, c'est impossible! Non. Attends. J'arrive pas à analyser le truc. On peut pas rebondir sur... Non, on peut pas rebondir sur les boules. Ah non, mince, je pensais que c'était... Ça servait de plateforme, le... Le truc. Non, à mon avis, il faut le faire déplacer. Il faut le mettre en haut, là. Sinon, on peut plus réactiver le switch. Attends. Ah, on peut l'envoyer comme ça? Non, faut que je le fasse voler, en fait. Il faut que j'active... Il faut qu'il y aille tout seul. Non, c'est exactement ce que j'ai fait, c'était pas ça.
Là, c'est quand ils sont en rouge qu'on peut... Ouais, mais là, ils tombent. Non, je comprends pas. De toute façon, j'ai plus le temps. Comment on va choper le bleu ? Si, il faut le mettre à côté du canon. Faut l'envoyer à côté du canon, en fait. Je pense. Mais c'est chaud, si c'est ça. Parce que ça veut dire que mais t'es juste à côté, quoi. T'es au pixel à côté, quoi. Enfin, pour moi... Non, je pensais que j'avais le temps d'aller... J'aurais eu le temps de sauter par-dessus. Donc là... Là, c'est pour le faire passer de l'autre côté. Je descends parce que je suis sûr que je vais me prendre le canon. Donc là, il est là. Là. On le met là. On passe, c'est pour passer de l'autre côté. Enfin, en haut. Là, on active le rouge. Il descend de ce côté. Ah oui, voilà. On fait comme ça, on le balance là. C'est ça. C'est ça. Donc c'est ça. C'était bien, il faut bien se mettre à côté du canon. En fait, c'est... Je pensais pas qu'on pouvait le lancer à la verticale. C'est pour ça que le trampoline jaune, il est là. Et qu'on puisse le balancer en étant sur la plateforme de droite, en fait. Ah, des vies, oui, merci. Oui, oui, on fait les vies. On fait les vies, on fait les vies. Que mine de rien, là j'en ai perdu une bêtement parce que je réfléchissais et j'ai lu le timer. Ah, c'est peut-être le premier stage bonus où je vais louper. Je vais louper la clé. Faut que je la chope là. Elle me suit là. Oui, elle me suit. Ah, par contre, on a moins de temps. J'en ai loupé une. Je crois que c'est. Ah ouais, en fait, c'est 3 vies et il y en a 3 dans le stage. C'est-à-dire que c'est des stages où tu peux avoir 6 vies. Donc, les mini Mario. C'est trop mignon, les mini Mario. Mais c'est, ouais, ça reste un jeu qui est simple. Hein. Bon, on n'a pas encore tout fini. Moi, je me trompe parce que j'ai pas de skill, mais... Oula! Alors, attends. Déjà, évitez de... Non. Évitez de vous suicider tout de suite. Merci. Voilà. C'est bon. Alors. Vite, vite, vite. Alors, rouge. J'ai peur. Attends, j'ai peur où je les envoie, là. Oui, c'est bon. Et jaune tout de suite. J'en ai pas oublié. Non, c'est bon. Alors, là, il faut que j'active le rouge. Non, il ne fallait pas que j'active le rouge. Ah si. Attends. Comment je les envoie en haut? Qu'ils refassent un tour. Ah non, comme ça. Voilà. Ok. C'est bon. J'en ai déjà deux. Non. Ouh, purée. Ouh, purée. Oh, j'ai failli en tuer. Allez, on refait la même chose. Merci. Oh, purée. Ça, c'est vraiment le réflexe de les tuer bêtement. Tout le monde est là. Yes, le rouge. Le rouge.
Non, il faut qu'ils me suivent. Venez, venez les gosses. Là, ils peuvent sauter. Et là, on y va tous. Allez, allez, allez. Allez, on se dépêche. Là. Non. Non. Restez là-bas. Hop, hop. Mais arrêtez de me stresser. Arrêtez de me stresser, le timer, là. Allez, allez, vite, 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 dans la boîte. Ouais. Ah non, même pas. Vous avez vu? Putain, je me posais la question dans la vidéo précédente. Est-ce que quand ils étaient dans la boîte, ça arrêtait le timer? Ça n'arrête pas le timer. Je sais même pas si je les ai tous sauvés. Normalement, oui. C'est bon. Pour l'instant, j'en ai tué aucun. J'ai failli faire la bêtise avec le bleu au début de les faire tous sauter dans les pics. Je me demande, si comment s'il meurt, est-ce que ça te reset complètement le truc? Je sais pas. C'est trop bien. C'est trop bien ce monde avec le gameplay de gravité un peu. Enfin de gravité. On flotte dans les airs. C'est trop. C'est mince. C'est trop stylé. Ah c'est, j'ai pas, genre j'ai pas fait genre un glitch là. J'ai fait spawn 2 poubelles. Je sais pas si c'est. Si c'était normal. Ah non non, des fois il y en a plusieurs, ok. Je vais me prendre la poubelle. J'étais sûre. Bah oui oui, mais tu peux rigoler mon gars, oui bien sûr. Une poubelle, merci. Alors. Hop. Le move que j'avais là, il était bien. Ouais, c'est quand c'est des fleurs sont rouges là, c'est le meilleur la meilleure compo le meilleur Oh purée, mince. Oh, j'ai toujours pas perdu mes... Je veux dire mes bestioles. mes jouets. Attends, c'est pété. C'est pété. Moi j'attends le rouge. Voilà. C'est lui le meilleur truc. C'est les fleurs rouges qui sont le mieux. Les deux tulipes rouges là, c'est là où il est le plus vulnérable. Et il s'en va. Alors ça va être quoi le prochain truc? Ouais c'est ça, un monde c'est 40, une quarantaine de minutes en tout cas. Avec moi en tout cas, dans mon gameplay à moi c'est 40 minutes à peu près. C'était trop bien, j'adorais ce monde fête foraine. Et le move un peu de on flotte dans les airs avec les tulipes là, j'ai adoré. Maison en taille, ah sympa, donc ça va être genre un truc avec des bouts un peu. Des fantômes quoi. Ou alors il va y avoir des trucs avec un gameplay, genre des portes maléfiques, un truc comme ça peut-être. Comme dans Luigi Mansion. Ok. Avec un univers bien violet, bien... Ah ouais. Il y a les aperçus derrière, on voit déjà un bout. Un masque-casse fantôme. Ça a l'air sympa. Et bien écoutez, on s'arrête ici pour cette vidéo par contre. Est-ce que... Non, on a toujours pas de cinématique. Hein. Non. Donc je pense qu'il va se passer des trucs parce que ça fait pas office de cinématique les déplacements dans les autres mondes. Ouais du coup, ouais pour l'instant c'est le parc de comment fête foraine, là j'ai adoré. C'est mon monde favori pour l'instant. On se retrouve demain pour la suite, on ira faire la maison hantée. Du coup bah l'aventure Donkey Kong là c'est une vidéo, un monde. Peut-être deux vidéos pour un monde pour les prochains, je sais pas si ça va se complexifier au cours des autres mondes. Pour l'instant, ouais, c'est... Et puis après, c'est à peu près des formats comme ça. Entre 35 et 40, 45 minutes maximum. Et c'est trop bien, j'adore ce jeu. Je trouve ça trop mignon, c'est coloré, c'est fun, les énigmes sont sympas. Il y a un peu de difficulté, mais j'adore. J'adore et... Et si vous voulez voir les épisodes précédents, c'est en playlist, j'ai créé la playlist, c'est Let's Play Mario vs Donkey Kong, tout simplement. À demain pour la suite, pour la maison hantée, salut!